On est de retour. Oh putain, j'ai plus l'habitude là. Bonjour à tous et à toutes, fans de cinéma, c'est Esprit Zad, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en cette nouvelle année 2020, bonne année 2020, joyeuse nouvelle décennie. Parce que en vrai, c'est la première vraie vidéo de 2020. J'espère que la rentrée s'est bien passée. Moi j'avais les partiels. Bon, je vais essayer de le dire très rapidement. Ça fait un mois qu'on n'a pas fait de vidéo réaction. Il est donc temps de réagir à plein de bandes annonces. J'en ai compté au moins une bonne dizaine, voire peut-être une vingtaine. On a beaucoup de travail. Enfin, j'ai beaucoup de travail. Vous, vous avez juste à rester assis sur votre chaise ou dans votre lit et me regarder réagir à une bande annonce. Aujourd'hui, on va réagir à la bande-annonce du film Underwater qui est sorti hier dans les salles de cinéma, le 8 janvier 2020. Et je n'ai pas eu le temps de faire la réaction à cette bande-annonce parce que j'avais zappé la bande-annonce. Donc du coup, ce film racontera l'histoire d'une équipe scientifique sous-marine qui fera face à un tremblement de terre et sous l'eau, ils vont devoir essayer de survivre. C'est un film de la 20th Century Fox qui a donc été racheté par Disney, c'est un film Disney, avec au casting Kristen Stewart, T.J. Miller et Vincent Cassel. J'ai vraiment hâte de savoir ce que ça donne, donc lumière moteur ça tourne, réaction. Générique, et attention, c'est la même intro Stranger Things, mais attention, il y a des petits changements parce que c'est 2020. Allez, c'est parti, générique. Underwater, bande annonce, c'est parti. Ok. Base sous-marine. 8000 km de la côte et vous descendez à 11000 mètres jusqu'au plancher océanique. Ah ouais. Ils descendent dans une fosse. C'est parti. Allez, on y va, ça va le faire. Yes. Vincent Cassel, je l'ai vu. Non, ça va pas le faire, là. Quelque chose est rentré en contact avec la coque. Boum. Et ça fait bim-bam. Boum. Oula. Ouh. Oh, oh, oh. Oula! Oh! Oh! Oula, stylé! De 1 à 10, les dégâts sont à combien? 10. Ah! On est descendu jusqu'au fond de l'océan. Et on ne sait pas ce qu'il y a. Putain, la base sous-marine! Il faut aller à la station. Mais comment tu veux qu'on y aille? À pied. Oh on putain! On est en oxygène et on va se balader au fond de l'océan. On ne sait pas ce qu'on va trouver. Du siècle! C'est Alien le truc, sous l'eau. Il va y avoir des facehuggers sous-marins. C'était quoi ça? Éteins tes projets. C'est vrai? Mais j'avais raison. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui nous suit. Oh! Ouais. Waouh! Waouh! Attends, mais c'était juste des suppositions ce que j'ai dit pendant la bande-annonce, mais en vrai, c'est Alien sous l'eau? C'est fou! Sous l'océan! Sous l'océan!
tout doux, c'est bien mieux. Tout le monde est heureux sous l'océan. Là où il bosse toute la journée, esclavage et prisonnier, pendant qu'on plonge comme des éponges sous l'océan. Ouais, moi, il met beaucoup Petite Sirène. Bande-annonce d'Underwater, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, c'est un film que j'attends avec impatience et que j'irai peut-être voir au cinéma s'il passe dans mon cinéma. J'aime bien T.J. Miller, j'aime bien Vincent Cassel et j'aime bien Kristen Stewart. Donc, du coup, oui, je suis attiré par le film, mais même le concept, alors déjà, de ce qu'on voit de la bande-annonce, la base sous-marine est assez belle et juste pour le délire de voir des créatures aliens aquatiques, moi je fonce direct. Et ouais, Kristen Stewart sera Ellen Ripley et elle remplacera Sigourney Weaver. Non, on ne remplace jamais Sigourney Weaver. Et voilà, c'était la première vidéo réaction de l'année 2020. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à activer la cloche pour suivre toutes les autres vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, Discord, TikTok. Oui, j'ai ouvert un compte TikTok. Les identifiants sont disponibles dans la description. Enfin bref, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne d'Esprit Z. Je suis très content de vous retrouver après un long mois d'absence en vrai. Et là, vous allez avoir un paquet de vidéos qui va arriver. Alors moi, je vais partir là-bas. Voilà, c'est l'outro.